俺が全中が最強の男オーブだ。最強の男が生きる軍勢も最強だ。この俺を止める者など天下に存在せぬ。貴様の頭はこの毛布自ら叩き潰す。この毛布軍は無敵である。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Live réaction review du chapitre 780 les gars. Alors je devais faire ce live réaction review avec mon frère Olilian, mais le chapitre est sorti un petit peu tardivement, on n'a pas pu se goupiller lui et moi. Donc malheureusement je le fais seul, mais la prochaine fois les frérots, surveillez bien Liliane et surveillez bien votre frérot Fumi, parce que le duo, le golden duo risque de se reformer pour faire des théories toujours plus folles sur Kingdom. Donc on était sur ce chapitre 779 qui nous a donc montré que au final la véritable cible de Riboku était Uzen. Alors après il y a peut-être des erreurs de trad, évidemment il faudra attendre la version manga vraiment pour vraiment avoir une version, on va dire, définitive, claire, nette et précise, même si le manga fait quelques petites erreurs. Mais généralement, ça va, à part sur quelques tomes où ils avaient fait des dingueries, mais au global, ça va. Donc moi, je vais attendre la version manga, je ferai des reviews du manga, et évidemment, avec mon Sharingan, je vous dirai si les versions ont changé ou pas. Donc, les frérots, on va faire ce petit live réaction. Je suis super chaud, je n'ai rien vu. Si, j'ai vu une image. Il y a un frérot qui m'a envoyé une image, il m'a un petit peu spoilé, mais c'est pas grave. Il m'a envoyé une image de Jihaga. Vous voyez, je vous dis la vérité, j'ai juste vu une image de Jihaga, bim, qui fait du sale. Mais ça... j'ai envie de vous dire, c'est un demi-spoil, parce qu'on se doutait bien que Jihaga, il avançait avec Kanzaro. Voilà, ça, c'est pas vraiment un spoil, mais on me l'a envoyé. Voilà, c'est la seule chose que j'ai vue sur ce chapitre 780. Allez, on commence les frérots, cette vidéo commence à 2 minutes 39, et même un peu plus tard, parce que je mettrai une intro de 1 minute, comme ça, tous les rageux qui n'aiment pas mes intros super longues, eh ben, vous allez continuer à rager, c'est comme ça, c'est la vie. Allez, chapitre 780, l'attaque et la défense de l'armée centrale. Bon, armée de Shibasho, 30 000, donc celle-là, elle est en retrait. Armée de Jihaga, 20 000. Armée de Kanzaro, 20 000. Ah, Kanzaro, c'était 20 000. Je pensais que c'était 30 000. Ok. Donc 20 000, 20 000 pour les deux. Alors, armée de Gakushu qui s'oppose déjà à l'armée de Haku. Donc l'armée de Gakushu a moins de 30 000 hommes. Ok. Et armée d'Haku, moins de 30 000 hommes. Donc l'armée de Gakushu et de Haku sont en train de se neutraliser, clairement. Et ensuite, tu as l'armée de Soro, 30 000 hommes, qui va donc s'opposer très certainement à l'armée de Jihaga. Ils sont face à face. Et derrière, tu as Denrimi et ses 10 000 hommes, et l'armée de Uzen avec ses 50 000 hommes. Et tu as la réserve d'Uzen de 20 000 hommes, qui est là-bas. Ok, ok. Alors, je ne sais pas ce qu'ils entendent par la réserve d'Uzen, ou est-ce que ce n'est pas l'armée, vous savez, l'armée de la Gyokuru. Bref, en tout cas, voilà. Encore une fois, on ne va pas trop se fier, parce que la trad, on ne sait jamais. Alors, tac, tac, tac. C'est parti. Allez. On remercie nos frérots de la FM Team, même si des fois il y a des petites erreurs. Mais on remercie nos frérots de la FM Team de nous faire cette traduction, les frérots. Allez, Medaku. Oh, où est le rapport de l'unité qui a poursuivi Riboku? Aux dernières nouvelles, l'unité Ishin était sur le point de se joindre à la poursuite. Mais rien depuis. S'ils ont perdu Riboku, alors ils devraient revenir. Mais il n'y a aucun signe d'eux non plus. Que leur arrive-t-il? Hein? Mais Shiraku, les ennemis de la zone centrale... Devant nous commence à bouger. Ils sont à peu près 20 000. 20 000, tu dis? Mais au départ, nous étions 30 000 des deux côtés. Et nous avons combattu en mêlée tout le temps. Et il y en a 20 000 de plus. C'est ce que je pensais, parce que je pensais qu'ils étaient 30 000. Bref, en tout cas. Mais Sir Gakusho, l'armée de Kanzaro qui se trouve derrière, se dirige vers nous. Rassemblez des soldats sur le côté gauche. Nous allons laisser l'armée de Kanzaro venir du côté droit. Ok, donc il lui balaye le terrain, quoi. Il se déplace pour lui, quoi. Bien. File-moi une épée, je vais buter Haku. Ça, c'est Fuhon. Et oui, ce fameux Fuhon qui avait d'ailleurs survécu à un coup de Gundao de Haku. Bon, il a l'air quand même plutôt bien blessé, mine de rien. Il a l'air blessé, parce que bon, sur la première, sur l'image, je voyais pas trop la blessure. Mais là, il a l'air d'avoir pris un coup, mais bon. Non, ça ne va pas. Bref, en tout cas, on notera que Haku a écarté Fuhon en un coup. Ok, mais Sir Kanzaro, l'armée de Gakusho va à gauche. Il a créé une ouverture pour nous. C'est un général si prévenant. Alors nous commencerons par ravager le côté droit. Ah ouais, carrément, putain.
Comme ça, l'eau, il est comme ça. Général Haku, l'ennemi nous poursuit avec 20 000 hommes. On va leur rendre la monnaie de leurs pièces. Déployer toutes nos réserves en première ligne sur le côté gauche. Oui, messire. Ah ouais, mais donc ça veut dire que là, si Kansaro arrive avec l'armée de Gakusho, ils sont déjà 30 000, plus Kansaro, ça fait 50 000. 50 000 face à l'armée de Haku qui sont visiblement moins de 30 000. Donc 50 000 face à 30 000, compliqué pour Haku, tout en sachant que Haku est déjà fatigué. Quoi? Ils n'ont pas bronché face aux 20 000 hommes de l'armée de Kansaro? Bah non, parce que là, il vient de dire, lui, l'ennemi nous poursuit, on va leur rendre la monnaie de la pièce, déployer toutes nos réserves en première ligne sur le côté gauche. Donc lui, là, il envoie tout le monde, en fait, en gros, Haku. Il envoie tout le monde, ok. Ils n'ont pas bronché, hein. Et au lieu de cela, ils essaient de les combattre tout en nous faisant face. Bah ouais, c'est ça, c'est Haku, hein, les gars. Impossible. Tu es un homme courageux, Haku. Mais si tu déploies tous les soldats que tu as, les lignes deviendront minces et s'effondreront d'un seul coup. Oui, logique. Tu vas déployer tous tes soldats, comme il le dit, les lignes deviendront minces parce qu'en vrai, tu vas étaler tous tes soldats en fait pour pallier aux 50 000 hommes. Donc en fait, les lignes deviendront minces et tu vas faire des trous et les gens vont passer. Donc Haku, il fait ça, mais bon, en même temps, il n'a pas de renfort pour l'instant. Messire Soro, Dame Shiryu est assignée au côté gauche. 20 000 hommes arrivent sur nous. Il y en a sans doute aussi environ 20 000 hommes qui se sont dirigés vers Haku. Oui, donc 20 000 hommes vers Haku, etc. Ok. Et donc, c'est l'armée de Sohu face à l'armée de Jihaga. Ah, oui, il me semble. La situation est préoccupante. Les troupes d'Haku sont moins de 30 000 contre 50 000. En comparaison, nous sommes 30 000 contre 20 000, ce qui nous donne un avantage de 10 000 hommes. Oui, je devrais peut-être envoyer 10 000 hommes à Haku. Ah, ouais, Soho, ça serait... C'est pas une mauvaise idée, hein. C'est pas une mauvaise idée, effectivement, vu que là, lui, il est en sureffectif, il pourra envoyer 10 000 hommes à Haku, et là, tu rajoutes 10 000 hommes à Haku, ça ferait 40 000 face à 50 000, ce qui est pas mal, ce qui est déjà mieux pour Haku, mais bref. Parce qu'autrement, même si c'est Haku, ça va... Hein? Quel est ce bruit? Il s'agit de l'armée de soutien de notre arrière-garde. Elle se dirige vers Haku. Comment? Messire Haku, ce sont les renforts de notre arrière-garde. C'est l'armée de soutien. Quoi? En plus, leur nombre est d'environ 20 000 hommes. Ils sont environ 20 000. Général, 20 000, tu dis? Donc, ça veut dire qu'ils étaient moins de 30 000 face aux 20 000. Ça veut dire que maintenant, on est 50 000 face à 50 000. Ouh, mais après, t'as quand même Gakusho et Kansaro face à l'armée d'Haku et tu as que Haku en vrai pour mener les hommes. Donc, ça repose quand même sur Haku. Beaucoup, en tout cas. Bref, 20 000 soldats de l'arrière-garde. Exact. Ils font partie de l'armée principale qui comptait 50 000 soldats. En d'autres termes, notre seigneur a décidé de s'engager sur le champ de bataille pour mener à bien cette guerre. Donc c'est Uzen qui a envoyé 20 000 hommes de son armée de 50 000 hommes, si j'ai bien compris. Si la trad est bonne, hein. Ok. Quoi qu'il en soit, avec ça, les choses vont s'équilibrer du côté d'Haku. Environ 50 000 hommes contre 50 000 hommes. Voilà. Donc déjà, Haku, là, ça veut dire que c'est neutralisé. Ça veut dire que Gakusho, Kansaro, face à l'armée de Haku, c'est neutralisé, c'est 50 000 face à 50 000. Déjà, ça, c'est clair, net et précis. Avec les renforts, nous n'avons plus d'inquiétude pour nos arrières. Alors battez-vous autant que vous voulez. Oh, les voilà! Donc là, ça y est, ça se tape. Bim, 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 oh là là! Les plans comme ça, l'arche de Hara, je kiffe trop, je kiffe de ouf. Messire Soro, les choses sérieuses vont aussi commencer pour nous. Je sais, nous allons les éliminer rapidement grâce à notre avantage numérique. Ah ouais, frérot, attention aussi, hein, c'est Jihaga en face. Hein. Et on sait que ce genre de mec-là, ils vont forcément faire du sale au début, quoi, tu vois. Bim, bim, bim. Ah, là, on a un plan large. Donc, ok, donc on est bien d'accord. Kansaro, Gakusho face à Haku. Et Jihaga face à Soho et Shiryu, qui doit être quelque part, je pense. Bim, bim, ça, c'est quoi ça? Ça doit être la Gundao de Kansaro. Ça y est, ça commence. Ça y est, ça commence. Bim, bim. Ah là là, Kansaro. Franchement, Hara, il a mis le flow. Il a mis le flow à Kansaro. Faut dire la vérité, hein. Kansaro, par rapport à Jihaga, Jihaga, il ressemble juste à une grosse brute. En vrai, Kansaro, il lui a mis un flow, tu vois, il y a un flow. Tu sens que le personnage, il va être lourd. Quoi? Qui est cet homme? Il est incroyablement fort. Il doit sans aucun doute être le premier général de Seika. Kansaro. Eh ouais. N'ayez pas peur. Dès qu'on aura pris sa tête, l'ennemi s'effondrera en un instant. Wow. Ah mais là, il a l'air de faire du lourd. Hein. Putain. Oh. Utilisons notre supériorité numérique, armée de Soro. Utilisons notre supériorité numérique pour les empêcher, pour les encercler. Alors par contre, là j'ai l'impression que Kin, c'est assez rare pour eux qu'ils combattent en supériorité numérique. Et là, ils font une erreur basique, c'est-à-dire, utilisons notre supériorité numérique pour les battre. Non mais les gars, on arrive beaucoup en face,
il n'est pas à bête, il beaucoup. Tu vois, s'il a mis un Cansaro qu'avec 20 000, c'est qu'il sait que Cansaro va mener ses troupes, va les enflammer. Tu connais déjà un peu le bail de Kingdom. Donc là, compter systématiquement sur la supériorité numérique, non, les gars, faut compter sur votre force. Parce que le Cansaro, vous n'allez pas l'avoir comme ça. Et je pense que c'est pareil pour le Jihaga. Donc, ça sent l'exploit des mecs de Seika. Tu vois, genre, on était à 20 000 et on a défoncé une armée de 30 000. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Mais là, ils ont l'air beaucoup de compter sur leur supériorité numérique. Cet homme est le commandant de cette armée. Jihaga, abattez-le. Ah, ils sont tous sur... J'bim! J'bim! Ouais, c'est ça la page, qu'on va montrer de Jihaga. J'bim! J'bim! J'avais dit, Jihaga, ça allait pas rigoler. J'bim! Ah ouais, la masse comme ça, là, ça fait penser à Mubu. Ça fait penser à Mubu, hein, les frérots. On peut se le dire, hein. On peut se le dire. Ça fait plaisir de voir des mecs se battre avec une masse comme ça. J'bim! J'bim! Ah ouais, c'est chaud. Il est fort. Je peux le dire au premier coup d'œil. Ah là là. Soho, sa force brute rivalise avec celle de Mubu. Voilà donc Jihaga. Les compétences des soldats d'élite qui protègent ses flancs sont également extraordinaires. S'il a commencé avec 10 000 soldats en moins, c'est parce qu'il était persuadé de pouvoir combler l'écart grâce à sa force, n'est-ce pas? Sharingan. Ah ouais. Ah, Jihaga. Mais c'est là ta grave erreur de calcul. Alors attendez. Parce que là, il vient de dire un truc. On est obligé de s'arrêter. Là, déjà, je vous vois derrière votre téléphone, là, ou hein, derrière votre ordinateur. Vous êtes en train de dire, eh ouais, frérot, Fumi, parce que vous savez que moi, Mubu, c'est mon gars sûr. Donc là, vous êtes en train de dire, eh ben, Fumi, ça a été dit, c'est factuel. Jihaga rivalise avec la force brute de Mubu. Eh bien, je vais vous étonner. Alors, ça m'étonne quand je le lis comme ça, effectivement, mais quand on réfléchit un petit peu, que dit Soho? Il dit que le gars rivalise avec la force brute de Mubu. Bah, j'ai envie de dire que c'est pas fou ni incohérent. On peut se dire qu'il y a plusieurs mecs en Chine qui ont la même force brute que Mubu. Je parle de la même force. Maintenant, est-ce qu'ils ont la même maîtrise de l'arme? Parce que là, on parle de deux hommes qui manient la masse. Ok? Mubu a forcément une meilleure maîtrise de sa masse. Sinon, il n'aurait pas le titre d'homme le plus fort de Chine. Parce que le titre d'homme le plus fort de Chine, c'est deux choses. C'est non seulement effectivement ta force pure, ta force brute, mais c'est aussi la maîtrise de ton arme. Et oui, parce que tu prends par exemple, je prends une rivalité Wuhan versus Chine. Pour moi, Chine est plus fort que Wuhan. Clairement, il est plus fort. Ok? Dans un combat, je pense que Chine l'emporte. Mais, si je devais donner une maîtrise, celui du moins qui, selon moi, maîtrise le mieux son arme, son art martial, je dirais que c'est Wuhan. Je dirais que c'est Wuhan. Je parle de Shin et sa Gundao, parce que Shin et son épée, c'est autre chose encore. Mais maintenant, Shin combat avec une Gundao, donc bref. Wuhan combat toujours avec une lance, depuis qu'il est enfant. Ok, il a suivi des cours, machin et tout. Donc Wuhan, selon moi, a une meilleure maîtrise de son arme et de son art martial. Donc c'est des choses qui diffèrent, en vrai. Donc là, je pense que le fait de dire qu'il a la même force brute de Mubu veut juste dire... Il est fort physiquement parlant, effectivement, sa force brute rivalise avec celle de Mubu. Ok, mais maintenant, face à un Mubu, selon moi, ça ne tiendrait pas. Je pense que Mubu l'éclate quand même, difficilement, mais il l'éclate quand même. Et parce que Mubu maîtrise mieux son arme, parce que c'est Mubu, parce que c'est le poids de tout ce que tu veux, d'un des 6 GG de Kin, etc., etc. Mais c'est pas fou de dire qu'il y a un mec qui a la même force brute que Mubu, c'est juste la force. On parle juste de la force, on parle pas de la maîtrise, on parle pas de la puissance d'attaque, tout ce que tu veux, on parle pas de tout le reste. C'est une question de force, c'est pas une question de maîtrise. Donc, pour moi, la phrase est pas folle. Maintenant, attendons quand même, encore une fois, je mets des guillemets, je sais que je me répète, mais attendons de voir quand même la traduction finale. Est-ce que c'est ce qui a été dit ou est-ce qu'on a dit que sa force, on va dire, pas forcément rivalise, mais fait penser à, ou du moins... pourrait être, voilà, est-ce que la tournure de la phrase sera faite de cette façon-là lors de la traduction de Meian? On verra. Mais en soi, la phrase n'est pas folle, n'est pas incohérente. Encore une fois, on se sert de Mubu comme boussole. Mubu, c'est la boussole de la force de Kingdom, comme Riboku est la boussole de la stratégie. Eh bien, Mubu, c'est la boussole de la force. Dès qu'on veut dire que quelqu'un est fort, on prend exemple Mubu. C'est comme ça. Oui, il est fort, regardez, il peut rivaliser avec Mubu. On se souvient de ce qu'il avait fait avec le clan Zenu. Mais ça, c'était une incohérence scénaristique. C'est-à-dire que là, c'est pas la même chose. Riboku avait dit que les armées, entre guillemets, les armées se valent en termes de puissance d'attaque. Et là, pour moi, c'était une incohérence totale. Parce que, encore une fois, Riboku n'a jamais vu l'armée de Mubu combattre réellement. Il l'a jamais vu. Alors, t'avais des frérots en zone commentaire qui disaient « Oui, mais peut-être qu'il a des rapports, peut-être que machin, peut-être que ceci. » Dès que tu commences à te sortir les « peut-être, frérot, ça ne sert à rien. » Il vaut mieux te taire. Parce que tu sais déjà qu'en fait, t'es déjà dans le n'importe quoi, tu es déjà dans la surinterprétation. Riboku ne connaît pas la force
de l'armée de Mobo. Il ne la connaît pas. Ou sinon, il a pu l'entre-apercevoir, machin et tout. En plus, il se bat sur un Mobo de Bayou qui ne combattait même pas avec ses hommes. C'était des paysans, d'accord? Et ce truc fait, date d'il y a plus de 12 ans. Tu peux pas te baser sur ça pour dire que tu connais la force de l'armée de Mobo. D'accord? Même nous, en tant que lecteurs, on connaît pas encore la force de l'armée de Mobo. Très clairement. Donc, parce que Ajuko, il est pas venu avec toute son armée. Il est venu avec une infime partie de son armée et il a laissé le gros à la frontière. Donc, on ne connaît pas la force de l'armée de Mobo, très clairement. Donc, quand quelqu'un te dit, ouais, il a la même force que l'armée de Mobo, bah, nous, frérot, on connaît pas. Donc, peut-être que toi, tu sais, mais nous, on connaît pas. Donc, voilà. Donc, en gros, qu'il ait une force qui rivalise avec celle de Mobo, ok. Mais maintenant, un Jihaga face à un Mobo, Mobo l'éclate. Mobo l'éclate, clairement et simplement. Parce que derrière, il n'y a pas que la force. Il y a la maîtrise de ton arme, il y a le poids de ceci, machin. On connaît dans Kingdom maintenant tout ce qu'il y a, tout ce qui englobe la force. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si on part d'un point de vue physique, c'est pas fou. C'est pas incohérent de dire ça, selon moi, en tout cas. Parce que pour moi, Mobo l'éclate quand même, de toute façon. Jihaga. Mais c'est là ta grave erreur de calcul. Ah, il y a quelque chose qui arrive. De nous. Parce que nous en avons aussi une. Ah, ça y est, Shiryu, nous avons aussi ma belle fleur. Shiryu, l'incarnation de la puissance et de la beauté. J'bim! Ah ouais, Shiryu aussi, hein, mais attention. J'bim! Ah ouais, ça y est, elle arrive, elle fait du sale, Shiryu. Hein. Pas mal, pas mal. Oh là, j'bim! Ah ouais, il la repousse. Hein. Ah ouais, mais Jihaga, Jihaga, ça va être compliqué, hein. Je dis clairement. Hein. Oh, l'unité d'élite de Shiryu entre dans la bataille. Ramenez-vous. Même l'unité d'élite de Shiryu est là. Les soldats les plus forts de l'unité de Shiryu se sont rassemblés. Il n'y a aucune chance qu'elle perde. Mais je ne supporte pas de les voir laisser une cicatrice sur ma fleur. Appelez notre première unité de cavalerie pour attaquer Jihaga aussi. Oui, mais si. Ah ouais, donc ils veulent la tête de Jihaga. Ouais, ouais, là, Soro, il veut la tête de Jihaga, mais lourd, 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 lourd. Ah ouais. Et là, on a un plan large. Alors ça, c'est intéressant parce que y a quand même un élément. Là, j'ai vraiment cette impression que c'est balayé pour Shibachu. Non mais là, il y a un plan, le plan large montre clairement que les deux armées sont en train de se confronter, donc Jihaga d'un côté, Kansaro de l'autre, t'as Delimi qui est un peu effectivement en retrait, mais t'as un boulevard pour Shibachu. Shibachu, il va y aller tranquillement, tic tic, en trottinant, il va y aller. Ah ouais, on a fait un boulevard pour Shibachu. Est-ce que c'est pas ce que Ryboku cherche depuis le début, en vrai? Bref, armée de Denrimi, l'armée d'Aku est ravivée par les renforts, mais comme prévu, elle a toujours des difficultés face au nouvel ennemi. Bah oui, ils ont quand même Gakusho plus Kansaro, on sait scénaristiquement ce que ça veut dire, ça. Bref, après, il y a moyen que Aku fasse l'exploit. Attention, parce que Kansaro, on sait qu'il va être très fort et tout, Gakusho aussi, mais Aku, faut pas le sous-estimer. Les gens sous-estiment trop Aku, hein. Je vous dis, Aku, c'est quand il est acculé et tout qu'il est super fort. Donc bref. Il semblerait que l'armée de Soho concentre ses soldats là où se trouve le commandant ennemi. Cet ennemi donne l'impression qu'il n'y a pas 10 000 soldats de différence. Ouais, donc en gros, ils sont tellement forts qu'ils rattrapent les 10 000 soldats. Ok. Pardonnez-moi mon intrusion. Mais est-il acceptable que nous restions là à regarder aucun ordre de Messire Uzen pour le moment? Bien sûr, nous ne resterons pas éternellement les bras croisés. Pourquoi pensez-vous que je suis ici avec 10 000 soldats à moi tout seul? Alors que je suis habituellement posté au sein de l'armée principale en tant que conseiller de Messire Uzen. D'accord. Oui, c'est vrai que d'habitude, il est aux côtés d'Uzen. C'est parce que nous avons vocation à agir en tant qu'armée létale. Armée létale? Genre, létale, genre pour buter, quoi. Armée d'assassins. Il est vrai que nous ne connaissions pas la puissance de l'armée de Seika. Mais Ryboku ne connaît pas non plus la force de l'armée de Denrimi. C'est parce que, comme je suis toujours absent, cette armée a été assignée comme armée de réserve à l'arrière pour maintenir l'équilibre de toute l'armée de Kin. C'est ce que nous sommes devenus, car notre armée était suffisamment talentueuse pour le faire. Mais à l'origine, nous étions le groupe de tueurs numéro 1 de toute l'armée de Uzen. Ah ouais, n'est-ce pas, Darinku? Oui, Shinkakugaku. Oh. Et Sancho, l'immortel. Wow. Nous allons donc pouvoir nous déchaîner pour la première fois depuis un certain temps. Crac. Ah ouais, heureusement, les personnes que nous devons traquer sont toutes réunies ici. Kansaro, le premier général de l'armée de Seika. Gakusho, le second général. Et Jihaga, l'explosion de Seika. Quelle tête devrions-nous viser alors? Vous posez tous la mauvaise question. Il ne s'agit pas de savoir quelle tête, mais plutôt dans quel ordre nous prendrons ces têtes. Aïe, 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 Denrimi! La première sera la tête de Jihaga, car elle semble facilement atteignable. Oh, armée de Denrimi, en avant!
Oh là 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 là. Et on m'a dit qu'il y avait pause de 2 semaines. Ah, qui est pause de 2 semaines, moi je dis bonne chose. Je suis content. Je le répète, je le signe. Quand les auteurs prennent des pauses, je suis content. Quand Ara prend une pause, je suis content. Parce que les frérots, c'est un taf de ouf. C'est incroyablement difficile, énergivore. Donc quand le mangaka prend une pause, on doit être content pour lui, les frérots. Aucun mec doit être vénère. Aucune personne ne doit être vénère contre Ara. D'accord ? Parce que j'ai trop vu ça. Des fois en zone commentaire, et même un peu partout, quand les auteurs ils prennent une pause, ouais putain il prend une pause, il est relou. Eh les gars, arrêtez ça. Hein. Ça c'est de la folie hein, ce que vous, les gens qui font ça. Hein. Les gens qui font ça pour moi sont des fous. Hein. Rendez-vous compte, hein, ce sont des êtres humains. Donc Ara il prend une pause, il prend 2 semaines, parfait. Écoutez, vous inquiétez pas, il y aura du Kingdom sur la chaîne, il y aura du Kingdom's Fight, il y aura de la théorie, il y aura tout ce que vous voulez. Mais Ara prend une pause, et eh bien nous, on lui envoie notre honneur. Repose-toi Ara, fais bien et reviens. Lourd. En plus, il va prendre une pause, ça veut dire qu'il va revenir avec un niveau de dessin vraiment lourd. Il va pouvoir se reposer. Donc ça, c'est une très bonne chose. Déjà de 1. De 2, on n'a pas vu Shibasho. Shibasho, il n'est pas là. Donc, à mon avis, du prochain chapitre, Shibasho, clairement. Bref, que dire sur le chapitre? Alors, le chapitre comporte un peu moins d'informations que les précédents. Parce que là, on est vraiment sur du full fight. Mais c'est bien parce qu'on a les confrontations. Donc, Shiryu versus Jiaga, ça évidemment tout le monde l'avait vu, il n'y a même pas l'histoire de Sharingan, ok. Et ensuite, Gakusho Kansaro versus Haku. Et maintenant, Denrimi qui semble être une armée létale, une armée d'assassins qui se dirige vers Jiaga. Ok, déjà je pense que la confrontation Shiryu versus Jiaga, ça me paraît compliqué pour Shiryu. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que Jiaga, à mon avis... On va nous montrer qu'il est super fort. Là, on vient de le comparer à Mubu et tout. Donc, je pense que Shiryu, ça va être compliqué pour elle. Je pense que si Shiryu doit prendre la tête de Jiaga, ça va être avec une aide. Une aide extérieure, des choses comme ça. Vous voyez, on n'est pas dans un esprit duel. On n'a pas l'air d'être dans un esprit duel. Donc, si Shiryu doit prendre sa tête, ça va être avec une aide. Mais ça sera beaucoup plus compliqué que cela. Ça me paraît évident. Ok. Mais donc, la confrontation Shiryu versus Jiaga, selon moi, penchera quand même en faveur de Jiaga, même si Shiryu est quand même très forte. Mais bref, attendons de voir la suite et attendons de voir les actions de Denrimi. Je vous avoue que l'armée létale de Denrimi, j'ai du mal à croire en leur dangerosité. On verra. Mais j'ai du mal à croire dans leur dangerosité. Tout de suite comme ça, là, vu comment ça a été introduit, on verra. On verra par la suite. Que dire du côté de Haku, Gakusho et Kansaro? Ça pue pour Haku. Ça pue de ouf, mais on est plus dans une situation où Haku est capable de faire un exploit. Et quand je dis exploit, c'est prendre la tête de, peut-être pas les deux, mais de l'un des deux. Ce serait Kansaro, la tête la plus impressionnante en tout cas. Mais Haku a quand même possibilité de faire un exploit. Ok, et ça serait bien pour faire briller le personnage. Mais malheureusement, il est quand même désavantagé aussi sur son flanc, même s'il est 50 000 face à 50 000, ce qui neutralise d'une certaine façon ce flanc. Mais pour moi, et ce qui me paraît évident, c'est que le centre est libre pour Shibasho. C'est-à-dire que pour moi, Shibasho, lui, peut foncer sur Uzen. Et c'est ce qu'il veut, Riboku, clairement et simplement. Donc c'est pour ça que je pense, dans le prochain chapitre, je pense que Shibasho va rentrer en matière, et ça va être une dinguerie. Donc je pense que Shibasho va confronter son armée directement à l'armée de Uzen. Donc les frérots, je vous le dis, quand je disais, ouais, peut-être que Uzen va combattre, les gens m'ont dit, ouais, non, Uzen, il va pas combattre. Les frérots, je vous le dis, il y a moyen que Uzen combatte. Attendez. Parce que là, si Shibasho, il arrive, qui va... Il faut comment? Parce que Denrimi, il a l'air parti dans son délire d'assassin. Qui? Il y a qui, là? Alors, il y a encore 20 000 derrière en réserve, il me semble. Les 20 000 de l'armée de Wuhan. Mais frérot, on sait que ça va être Shibasho. On sait que Shibasho, ça va être cheaté. On le sait, Shibasho, ça va être cheaté. Donc, attendons de voir. On n'a pas vu Shin non plus. Bah, lui, il est bloqué avec Riboku. Et finalement, c'est pas plus mal parce que dans cette guerre, j'ai l'impression que Ara a bloqué certaines personnes. Il bloque Haku d'un côté, il a bloqué Shin de l'autre côté, il a bloqué Wuhan de l'autre côté. Comme ça, ça va lui permettre de faire avancer pas mal de flancs. Ça va lui faire avancer du côté de Yotanoa. Il va avancer, à mon avis, du côté de Shibasho, Uzen, etc. Il va avancer à plusieurs niveaux. Donc voilà. Écoutez, on verra bien. En tout cas, le chapitre, franchement, est bon. Et même très bon, franchement. On n'est pas étonné dans ce qui se passe. Pour l'instant, il n'y a aucune surprise. Très clairement, on savait déjà que ça allait se passer comme ça, un petit peu l'armée de Zeika. Par contre, il est vraiment temps que cette invincibilité des généraux de Zeika tombe un petit peu, parce que là, ça fait longtemps, ils sont là, ils sont pas inquiétés. Au bout d'un moment, ce serait bien d'en faire tomber un ou deux quand même pour montrer que, voilà, s'il vous plaît. Fuhon, toujours là, malgré le coup de Gundao de notre ami Haku. Donc bon,
Ok, hein, ce perso-là, je me dis, Ara, franchement, tu peux le faire sortir, on s'en tape, hein, frérot. Tu peux le faire sortir hein, dans le prochain chapitre, hein, t'inquiète pas, hein, on s'en fout complètement. Donc voilà, les frérots, dites-moi vous en zone de commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Encore une fois, moi, je trouve que c'est très sympathique, cette histoire. Et ne vous inquiétez pas, il y a pause de Ara, mais nous, on n'est jamais en pause. Donc déjà, il va y avoir le Kingdom's Fight avec Uhon versus Shihaku. Et il y aura un autre Kingdom's Fight aussi que je vais tourner très prochainement. C'est Gaimu versus Shin, les frérots. Donc voilà, n'hésitez pas, restez toujours sur Fumigène. Et attention, hein, mettez bien votre Sharingan en alerte parce qu'il va y avoir la saison 5 qui va arriver. La saison 5, c'est du lourd. Allez sur la chaîne Fumé Show, j'ai fait un live réaction du trailer. Donc voilà, les frérots. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo tranquille, comme d'habitude, jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Aku. Oui, Aku. Parce que là, cette fois-ci, ils sont deux complices, c'est un peu compliqué.寝言は死んで言えよ。寝言は死んで言えよ。